dégage. Pas. Oui. Si c'est trop compliqué. Non, c'est pas compliqué. Ouais, là, c'est pas mal, pas mal. Un peu plus à droite. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous préparons des supports sémantiques, on peut dire, pour caractériser les personnages qui vont être en jeu dans sur le plateau. Il y a beaucoup de monde, alors on ne sait pas trop qui fait quoi. Machin aime machine, mais machine jalouse le truc. Donc ça peut aider les spectateurs à s'y retrouver. Quoi. Bon, l'idée est de faire quelque chose de très approximatif, de très imprécis et repassé comme ça. Lisible, mais quand même un peu trash. Quand même. Il y a un mariage au début. D'accord. Et ensuite, il y aura un enterrement. Donc, ces mêmes fleurs vont servir à la fois au mariage et à l'enterrement. L'amour ne perd rien, l'amour ne perd rien de sa gloire. Et descente, c'est sur sa battue. Exactement. Globalement, on arrive toujours en retard. Non, non, c'est pas ça le problème. C'est qu'on part pas sur le même tempo à la gloire. Non, mais le gloire. Gloire, ah, rara, oui. C'est ça, c'est le problème. On n'est pas en même temps. Gloire, En fait, on a. De sa gloire. C'est bon, donc oui. on la reprend. Que l'enfer applaudisse à ce nouveau cancer. Que l'enfer applaudisse. Heureux qui finit son cours pour voir d'être ici l'aurore qui brille toujours. Qui brille toi. Je passe beaucoup de temps à faire le battement, ouais. Mais le plus important, c'est l'appui. La vue, mes pleurs. Par exemple, là, tu as une longue plaisir de ma vie. Tu lui dis cruel, mais c'est parce que tu souffres. Essaye d'imaginer quelque chose. La pitié n'est pas rien, il semblait le toucher. Mais l'amour plus puissant, les cafés. Et quand vous me les êtes ravis, tout ça, je trouve ça un peu. Un peu trop. Un peu flottant, quoi, alors que c'est quand même. Il y a du danger, non? Il y a de l'enjeu. Et des dieux du jour, à lui présentez-le, s'il me donne notre partage. Je le suis le pouvoir d'évoquer les enfers. Je pense que, enfin, j'imagine que la première phrase, juste pour, c'est un détail, mais que l'hymen couronne votre sœur, c'est dans la suite de l'air, en fait. Je le fais. Que son pouvoir est au-dessus des miens. Ouais, c'est pas jusqu'au bout de la phrase. Hein. Que son pouvoir est au-dessus du mien. Conduit vraiment jusqu'au bout. Tu lâches avec des ornements, je trouve. Les mêmes couronnes, votre sang, Pollux épouse à terre. Votre sœur. Okay. Te pose pas de questions. Okay. C'est juste que ce soit pas anecdotique quand tu rentres, quoi. Ouais. Okay. Tu vois, c'est quand même la première phrase de l'opéra, et en plus, elle informe déjà de tout, de la problématique, elle pose le décor, quoi. J'entends Phébé qui soupire. Toi, t'es dans l'action, tout va bien pour toi, en fait, il y a quelque chose qui est... Tu es dans l'effervescence de la chose. Et qu'on ait cette tension entre l'orchestre qui est trop lent. Je fais de sa mort fortune. C'est une erreur, hein. Je fais de sa mort fortune. Ah, deux. Quitter ces jeux pour les couler, pour les enfants. Courons aux armes, courons aux armes. Allons dissiper ces alarmes. Aux armes, aux armes, aux armes. Vous me quittez, Castor, arrêtez. Défendons nos bâtons. En levant et la hire. Non.
Tu sais, j'aime bien l'idée du point d'Orléans. Cruel, en quel lieu venez-vous? Osez-vous insulter encore au monde d'un héros qui périt par vos coups? Laisse à l'amour qui me dévore le soin de me punir d'un crime que j'abhorre. Il n'en dit plus que ton courroux. Oh mon père, écoute. C'est vraiment... Je palpite tellement il y a un truc important à annoncer, à dire. Il flippe, il se suicide. En bas du ciel, charme de mon empire, plaisir, vous qui faites les dieux. Drame, déjà, ils viennent de... Déjà l'autre, elles ont eu des scènes terribles parce qu'ils étaient super malheureux, ils ne se mariaient pas ensemble finalement. Donc il y a une espèce de jubilation, ça c'est bien qu'on ait des jubilations. Mais voilà. Elle pourrait même rester sur place, mais avoir des connexions, par exemple comme si elle dansait à plusieurs. Vous êtes en train de répéter une scène? Oui. Elle consiste en quoi? On doit arriver à la bourre, donc on essaie de trouver des astuces pour montrer qu'on est vraiment en retard pour Marie. Et voilà. Même si vous êtes à distance, en fait, il faut que vous connectiez pour... Allons, dissiper ces alarmes, vous le faites déjà, mais encore plus. Effroyable. C'est homme. Pollux, vengez-nous. Pollux, vengez-nous. Vous êtes beaucoup comme ça. Non, c'est Pollux. Allez, vengez-nous. Vengez-nous. Montez-les dans la position du démarrage quand ils sont très hauts. C'est bon. Allez-y. Est-ce que c'est ce que vous aviez imaginé depuis 3 mois, depuis 6 mois? Montez pour affleurer, encore un peu, encore, stop. Donc voilà, oui. Inclinez-les pour faire une arche. Tout ça, c'est dans une ambiance un peu du début, pas très très lumineuse. Castor est tombé sous ses coups, silence. Tu rentres. Après, tu reviens. Et là, toi, t'es plutôt en avant. Et pour venger nous, le cœur sera derrière toi. Ouais. Après, tu reviens. Oui, c'est ça. Tu reviens et tu reviens vers tes laïrs. Et moi, j'arrive juste après. Oui. Je me mets à court, bord court. Allons, aux armes. Et après, suite, on emboîte le pas, on est stoppé. Moi, je ressors. Et du coup, tu vas consoler, tu vas annoncer à tes laïrs qu'il est mort. Qui est mort? Castor, hélas. Oh, beaucoup de place. Moi, j'ai des talents. Pas mal d'affaires. C'est un mec qui s'appelle Jupiter. Je suis ton père. Et il se dit, mais qu'est-ce que je peux pouvoir faire comme embrouille pour faire chier le monde et après briller en réglant tout le schpounz. Ok, elle s'en va et elle se met à chanter. Là, vous ressortez normalement après à tout. Ouais. Vous re-rentrez. Je crois qu'il faut que tu y ailles. Prenez l'espace. Quand vous rentrez, prenez l'espace. Et après, tranquillement, peut-être, vous irez vous regrouper dans... Donc là, on parsème la scène. Voilà, et ensuite, quand il sera temps... Voilà, tac. Oui, comme ça. C'est... Oui, ça va. La position était mieux, c'est-à-dire que le groupe se partage en deux et que vous les faites un trou là. Et ensuite, les gens font ting, ting, ting. Donc, pendant qu'elle dit l'incé attaque le palais,
l'âge, etc. Vous entendez ce qu'elle dit. Et à partir de là, pour dire courons aux armes, ceux qui ont à traverser, vous traversez. Eric, tu me dis que tu es dans Blanc qui est là ? C'est après. Pour aller chercher les armes. Sinon, on va les laisser. Et les bouquets, vous les tenez. Et après, il y a la musique qui s'appelle musique de guerre. On a dit que c'était les pompiers. Voilà. C'est après ça. C'est ça. Et après, on rentre tous quand même du même côté. Et après, vous rentrez. Donc, vous allez rejoindre en effet vos camarades. Très bien. Voilà. C'est bien, vous rentrez tous du même côté. Très bien. Dernière indication, faites attention quand vous riez, il y en a certains qui lèvent encore les jambes, là, ça marche pas du tout. Gardez les jambes vraiment au sol. Allez-y. Il y a une espèce d'affolement. Là, ce groupe, ça marche pas parce que vous arrivez derrière celui-là. Ne bougez pas le rideau en sortant. Les gens qui sont devant sortent vite. Tu vois ce que je dis là ? Vous êtes trop tôt, il ne faut pas être si tôt. La voix, son frère, sortez, allez-y. Comme ça, avec de l'émotion. Juste regret. D'accord, là, vous sortez. Ok, ça c'est... Ok, c'est à peu près clair pour tout le monde ou pas ? 5, 2, 3, 4. Sol, fa, mi, ré. Et... C'est un très bel orchestre. C'est un orchestre avec, bien sûr, le quatuor à cordes, donc violon, alto, violoncelle et la basse. La basse, le 16 pieds, en fait, pour avoir justement les notes très graves qu'on a vraiment dans les opéras de Rameau qui sont très importants. C'est assez récent, la contrebasse comme instrument, oui, à cette époque-là. Et les bois, on a deux flûtes, deux hautbois et un basson. Et ensuite, bien sûr, le clavecin qui accompagne tous les récits et les percussions avec donc des timbales, timbales baroques. C'est des instruments d'époque, donc c'est des instruments, donc les cordes des violons sont en boyau, les archets aussi, c'est les archets qui donnent la possibilité d'articuler, d'aller très très vite dans les mouvements, notamment dans les tempêtes, dans le tonnerre, quand Jupiter arrive, il faut faire du bruit, donc on a l'archet, on a le crin de l'archet qui rebondit, parce que c'est des archets spécifiques pour jouer cette musique-là, et après les instruments, les bois, il n'y a pas de clé, donc tout se fait vraiment avec les lèvres. Pour donner comme ça une tension magnifique. Je descends aux enfers pour oublier mes peines. Tu veux quelque chose de plus large encore ? Un petit peu plus large, ouais. Je descends aux enfers pour oublier mes peines. Et Castor naîtra pour goûter. Et là je reprends de l'activité et je tiens bien pour plaisir. Voilà, c'est la fin d'acte. Et je garde bien ça. Okay. Donc ça, plus large, les enfers. Ouais, déclamer. C'est quand tu parles des enfers que tu y vas et que tu les visualises déjà. Tu te dis putain, je vais aller ça là, roule. Je vais aller aux enfers. Je, en fait, je me tue. Ouais, carrément. Au moment de tendresse. Vous détatez. C'est moi qui viens briser la chaîne qui te lie. C'est moi qui t'ai vengé. C'est
c'est actif. C'est peut-être moi qui me gourre. Non, non, c'est bon. C'est Renaud. Non, il bouge pas. Moi, je me détache et toi, tu bouges pas. C'est moi qui viens, machin. Et tu sais, là, c'est lui qu'on reste. Tu es le premier. Là, on reste vraiment l'un contre l'autre. De tendresse. Et tout doucement. Je verrai la clarté des cieux, un peu plus libéré du rythme. Ah, très bien. Mais non, mais tu fais le rythme, mais en l'incarnant, quoi. C'est vraiment. Si je suis dans le sens du texte, c'est ça. Oui. Si tu fais ça, oui, ça suffit. Même si tu ne dis rien, oui, on a compris. On comprend. Mais globalement, c'est ce que je fais jusque-là. Alors que si tu fais le cul entre deux chaises, on comprend rien. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Globalement, à chaque fois, moi, je le fais dans l'émotion, Mais pense vraiment à ça tout le temps. Ouais. Sur les airs aussi, mais sur les récits, ouais. C'est vraiment ça. C'est l'intention qui va agir. Mais bien sûr, on comprend. Et puis même pour la compréhension des gens, si t'es sourd-muet. Oui. Si j'ai quelqu'un qui fait comme ça, qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Si t'es sourd-muet et que le type, il le prend, il a pas besoin de... Oui, il se passe quelque chose de fort. Oui, on s'occupe pas du volume, on est déjà dans... Oui, c'est ça. Le ciel enfant est bleu. Le ciel enfant nous rassemble. Dieu qui formé pour nous. Dans le récit, ce soit si expressif, et dans l'air, vous faites les chanteurs. Dieu. Vous faites un peu... Bah oui, parce qu'on est obligé de conduire. Il faut le penser à la mesure, en fait. Dieu, ouais. Qui formé pour pas avancer plus, bien sûr. C'est un dialogue extrêmement familial, on se retrouve en famille, et il dit machin, et je retrouve ce que j'aime. Oui, mais moi je t'aime, je n'allais pas te laisser, ne pense pas que j'allais te laisser. Elle démarre, Dieu qui donc, et c'est parce qu'elle démarre que toi tu démarres. Ouais. C'est-à-dire que ça devient éthéré. Mais avant, c'est ça que j'aimerais qu'on arrive à avoir, c'est qu'avant on ait une espèce de familiarité très proche, presque quotidienne, et qu'après on part dans l'extase. Ouais. Et elle démarre, et en fait, hop, donc il faut que tu passes, parce qu'elle, on s'aime, on est merveilleux, que tu te greffes là-dessus, que tu ne le fasses pas tout seul, le passage, comme tu le fais là. D'accord. C'est moi qui allais te délivrer. Mais c'est vrai, oui, Dieu qui forme bien. Ça doit s'emboîter dans tous les objets de mon amour, mais oui, machin. C'est la valeur qui fait les dieux. La beauté fait les... On aura merde, c'est toujours trop long. Ouais. La beauté fait les déesses. La beauté fait les déesses. Et la beauté... Et la beauté fait les déesses. Et la beauté fait les déesses. Pour tout ce qui est rire, vous êtes face publique. Peu importe la direction, mais vous êtes face publique. Et les gardes vous aident avec les costumes. Et les fleurs. Non, oui. Les fleurs. Oui, et les fleurs, et les appareils photo. Donc après, le chœur arrive, avec les bouquets et les appareils photo. Puis Télaïr rentre avant jardin, seul. Oui. La scène de Télaïr chante face publique, puis à la fin, celle se tourne vers le catafalque, flash, plus jet de fleurs. Jet de fleurs est sorti du cœur, poussé par les croque-morts. Qu'est-ce que vous faites, là? On est en train de préparer le premier filage costume, changement de décor de la première partie pour ce soir. Télaïr et Phébé sont des deux côtés du cercueil. Ouais. Tu sais, Cléone, elle ramasse les fleurs. Oui. Et puis, Triomphe Vengeance, donc il y a le cri du cœur. Ouais. Qui est de derrière, enfin du milieu du rideau du fond. Oui. Non, bouge pas, c'est trop long. C'est juste pour avoir une idée.
Et donc, c'est vraiment la première partie dans les conditions spectacle, mais ça ne va pas aller, mais donc on le prépare pour faire récapituler ça de façon la plus synthétique possible à tous les participants. On va enchaîner pour les scènes que vous mettez dans votre vrai costume. J'espère que demain le chauffage sera réparé. Mettez-vous en place, anticipez pour les bouquets. Donc il y a d'abord le noir sale, etc. Je suis le noir des aux bontés que j'apprends. Je connais tout ce que je perds. Castor, à mon envolant, cette justice. Vous êtes sur le côté, c'est ce qui change votre son.